Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Naira Marley, de son vrai nom Azezade Shaina Fashola, est un chanteur, producteur et compositeur nigérian. Il est connu pour ses chansons et surtout comme le président de sa base de fans controversée, les Marlians. Il est né le 10 mai 1991 à Ajej, une province de Lagos au Nigeria. Naira Marley chante en anglais, en pidgin et en yoruba. Sa musique est un mélange d'afrobeat et de hip-hop. Le nom Naira Marley lui vient de son admiration pour Bob Marley. Physiquement, il porte également des dreadlocks en hommage au chanteur jamaïcain. Issu d'une famille nombreuse, Marley a quitté le Nigeria à l'âge de 11 ans pour se rendre en Angleterre, précisément à Peckham, une province londonienne où il a fréquenté la Porlock Hall School. C'est à la Walworth School qu'il obtiendra son certificat général de l'enseignement secondaire, un diplôme obligatoire pour les élèves qui passent de la 3e à la 2e au Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth. L'équivalent du brevet d'études du premier cycle en milieu francophone. Parallèlement à cela, il a également étudié le droit des affaires au Christ the King Sixth Form College. Jeune, Naira Marley voulait devenir un animateur professionnel de spectacle et une voix off à la radio, dans les productions télévisuelles, au cinéma ou au théâtre. C'est en 1994 qu'il se découvre une passion pour la musique à la suite d'un défi qu'il releva dans un studio. Dès lors, il fut encouragé par ses plus proches amis à ne pas abandonner et surtout à perfectionner son talent. Dans la foulée, il sort la chanson intitulée Marijuana avant de sortir un peu plus tard son premier EP Gotha Dance courant 2015. Vers la fin de l'année 2017, il sort le single Issa Goal qui devient viral et est par ricochet l'hymne de l'équipe nigériane de football les Super Eagles lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Naira Marley confirme son talent à sortie lors de la sortie du titre Ami Ayahu Boy le 3 mai 2019. Le même jour, il se fait arrêter par la brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers. Quelques jours après sa libération, il gratifie ses fans du titre Sopi. Ce titre va remporter le 11 janvier 2020, le trophée le Viewer Choice au Sun City MVP Awards 2020. Lord of Lamba, le deuxième EP de 6 titres de l'artiste, verra le jour le 18 décembre 2019. Les sonorités de cet EP sont diverses et variées. En effet, c'est un mélange d'afrobeat et de hip-hop. Lors de ce qu'il appelle la Marlian Fest qui a eu lieu le 30 décembre 2019 dans les hôtels et suites Echo, Naira Marley a annoncé à ses fans le lancement de sa maison de disques La Marlian Records et profite de l'occasion pour dévoiler les artistes que la maison a signés, CBLVCK, Zinoleski, Mobad et Fabian Blue. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.